Et salut les gens, c'est Oko, bienvenue sur League of Legends. On est avec Talia cette fois-ci. J'avais enregistré la game d'avant, sauf que je me suis tapé un AFK et du coup on l'a perdu. C'était génial. Ah, deuxième game, je sens que ça va être la prochaine encore une fois, putain j'en peux plus. Voilà, du coup on est avec un compte Smurf. Bizarrement c'est rare, ça dit donc. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah attends, est-ce que lui va se reconnecter? Bon, j'espère. Et normalement ça va être mon compte principal lui du coup, c'est fini. Les Smurfs, je me suis assez entraîné à peu près à tous les rôles que je voulais. C'était au cas où je me fasse autofill. Ok, nice, il se reconnecte. Et on rejoue Talia. Talia, je sais pas pourquoi j'ai une période où je voulais plus la jouer. Ah oui, parce que tout le monde la jouait et que ça me cassait les couilles. Là du coup elle a été nerf, du coup on va la rejouer. Il y aura de moins, il y a moins de gens qui la jouent, du coup c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, son petit nerf au niveau du Q, de la mana je crois, c'est bon, c'est pas grand chose mais... Mais quand même, alors normalement je joue Fiddlestick, par contre contre cette équipe par contre j'ai pas bien vu, putain j'aurais dû mieux regarder. Parce que là Thunderlord est très fort contre le Veigar, en plus j'ai Ignite, lui il joue avec téléportation, donc normalement je peux le détruire. Sauf que là un Trundle et un Volibear, j'aurais bien voulu en fait la maîtrise qui permet d'aller plus vite quand tu fais 30% de dégâts, je sais pas quoi là. Après, à voir. Alors là, vous voyez que je joue avec Ignite et je joue avec Thunderlord. Je joue vraiment la version Talia ultra agressif. Ultra agressive. Parce que je vois tout le monde, tous les gens qui jouent Talia, ils jouent avec téléportation, heal, les trucs comme ça. Alors c'est bien parfois, hein, avec le boost de vitesse. Et pas Thunderlord. Mais moi je suis comme... J'arrive pas à jouer ça en fait. Je suis tellement plus agressif avec. Alors par contre, Volibear, il faut que je fasse gaffe parce que là je suis habitué à jouer avec Fiddlestick et mon cerveau je le mets off et je carry normalement toutes les games easy peasy. Là, Talia c'est un peu plus compliqué. On va se focus de toute façon à la botlane comme d'habitude. Bon, il y a une Janna, ça me casse les... En vrai, la botlane elle est relou pour Talia parce que le jump de Trist est beaucoup plus dur à prévoir qu'un E de Caitlyn ou le E de Ezreal en fait. À voir. Il est combien? Il a 9 CS, il ferme bien. Il ferme bien, je lui mets pas assez de pression. J'ai déjà trop de cercles sur la carte. Par contre, la botlane en face, ils aiment bien push. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Je vais pouvoir y aller. Merde, c'était devant. Ok. Il va voler le canon. Oh non, j'ai cancel mon auto-attaque. Il m'a bien stun là. Qu'est-ce qu'il fait? Il a flash, c'est cool. Il a flash, on est d'accord. Il est mort. Ok, c'est cool. Donc c'est du plat 2-3, je crois. Là, je suis gold 1, mais mon MMR est assez haut parce que j'ai fait presque 100% de victoire. Il y a juste eu... Bah, j'ai eu un AFK et un troll. Et du coup, j'ai perdu les deux. Mais sinon, c'était du full win. Et bizarre ce qu'il a fait le Veigar là. Il s'y attendait pas, c'est comme ça de toute façon qu'il faut punir avec Talia. Tu mets de la pression, il voulait le canon, bah on l'a chopé et puis c'est tout. On va se barrer tout de suite, on va prendre... j'ai envie de prendre de la mana là. En fait on est obligé de maintenant partir Morello. Je pense que c'est ça le nerf, c'est que avant je pouvais partir séculaire. Comme ça bah, je me serais peut-être pas fait one shot par le Veigar là. Bah je vais peut-être pas me faire one shot mais... Avec le circular, ça m'aurait permis d'être plus safe. Et Morello, en vrai, c'est vrai que c'est quand même un sacré objet. Les 20% de CDR, le fait que t'es de la regen mana et que le champion, vu qu'il coûte plus cher, c'est cool. Enfin bref. Est-ce qu'il va vouloir le petit truc là-bas? Oui. Okay. Nice, bien joué, mec. Il y a du niveau là. Hein. Je sais pas si tu l'auras. Hein. On va leur faire un petit peu de dégâts, c'est plutôt cool. On m'avait prévenu pour le Volibear. J'ai mis un sacré combo sur l'autre. Okay, je me demandais, hein. Je sais pas si le Veigar était aussi nul que ça. Mais non, il est pas si con, il s'est fait juste surprendre. Il va pas se faire surprendre. Par contre, le Volibear, on sait du coup qu'il a back. J'ai un Trundle qui arrive dans ma gueule. Non, c'est bon, il a décidé de s'en aller aussi. Je vais prendre la première vague, je vais me casser. Où est la botlane? Ouais, c'est une Tristana, ça devrait le faire. À moins qu'elle ait son flash. Est-ce qu'il a son flash? Exhaust... ouais, elle a son flash apparemment.
Bon, ça se passe bien. Ça se passe bien. On va dégager ça. Le wave clear au niveau 5, putain, déjà quoi. Que faire, que faire? GG top. On va le faire une petite ward un petit peu plus deep. Oh bah tiens, bonjour toi. Oh, il a son passif. Je suis mort. Je pense que je suis mort. J'ai la zone en plus. Fais ton combo! J'ai peur de ce truc là. Ah! Fais un Q, merci. Nice! Good job. Ok, j'ai eu chaud au cul. En fait, j'ai grid ma ward, j'étais comme, ok, je t'ai vu, laisse-moi 0,3 secondes pour placer ma ward. Bon, j'avoue, j'ai un peu grid. Je fais pas les bâtards, je pars pas mes jets. Ça va être chaud. J'ai mon ult. Putain, c'est vrai que t'as là, c'est fort qu'en vrai. En vrai, c'est vrai, je devrais juste la spam. Bon, des fois, je peux pas parce qu'il y a des invocations, style Malzahar. C'est ultra relou, du coup, un Fiddle, c'est bien vénère. Et c'est vrai que Talia se fait contrer quand même par pas mal d'assassins, du coup faire attention. Merde. Fail. J'ai mon ult mais je peux pas l'utiliser à part top, mais pas spécialement envie de partir. Juste détruire encore un petit peu le Veigar. Oula. Le Veigar qui est un petit peu vénère là. J'ai même pas envie de faire mon combo finalement. Aïe. Ah shit. Attention, la botlane me laisse peut-être une ouverture là. Je vais warder ici. Ok, nice. Bah écoute. Oh, reviens dans le mur. Ah non, elle avait son flash. Ah, j'ai pas enlevé le mur à temps. Merde, j'aurais dû l'ignite. Je pensais qu'on allait l'avoir. En vrai, le W de Tristana est finalement assez easy à prévoir. Attends, je vais le tanker parce qu'il galère. Je prends cher. De toute façon, il peut le tanker. Vu l'astuce de Toucan, moins t'as de PV, moins tu prends cher. Du coup, c'était pas rentable que j'aille limite le tanker. Hop, on le KS. Ça change rien. Ouais, j'aurais dû enlever mon mur avant, c'est juste que je pensais qu'elle était morte. My bad. Mais bonne nouvelle. Le W de Triste, je peux la remettre dans le mur juste après, du coup c'est plutôt cool. On est là sa zone. Ah merde, non, il y avait Jarvan, pourquoi j'ai flash? J'ai cru que c'était Volibear. J'ai plus de cul. Putain, j'ai l'impression que le jeu est plus simple avec Talia. C'est trop bizarre. Pourtant, c'est du plat 2 en face, c'est quoi? C'est... Ah, c'est du plat 5! Ah oui! Ah oui, non, mais c'est le plus nul de l'équipe. Ah, ok, d'accord, ok, je comprends. Je comprenais pas pourquoi c'était comme ça, là. Ça me paraissait bizarre. Ah, ok, my bad. Ok. Donc, bon, bah, normal, quoi. Au moins, on a vu un truc stylé. Pour Tristana, finalement, c'est possible. Mais je veux dire, c'est pas si dur que ça de la remettre dans le mur. Du coup, c'est cool. Par contre, ah, j'aurais dû ignite. Fuck. Au moins, elle a plus de flash. En plus, ça doit être un first time Veigar. Et si tu connais pas le match-up, bah, tu te fais détruire. Volibear est top. Veigar est où? Ah merde! Non, Veigar top, Volibear, we don't know. Là, j'aimerais bien avoir les 300 gold bonus là. Ouais, je vais les avoir. Je les laisse dans la merde, tant pis. Je préfère avoir une tour gratuite. Et les 300 gold bonus. Ça fait plaisir. Ah, oh, la Soraka! Nice. Allez! Pff, ça fait mal. Ça fait un peu mal. 20 secondes. Je vais faire tout le tour, j'ai le temps. Les sbires, ils vont juste arriver pile en même temps que moi. Ah, c'est bon, ils m'ont pas vu.
J'ai pas activé mon W. Mais attends, mais pourquoi ils sont encore là? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Non! 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 Son E était trop bien placé. J'ai failli me casser. Je pense que la Janna m'aurait touché. J'ai voulu net la Janna. Ah oh, putain, le con. Par contre, j'ai tellement bloqué la Tristana. C'était trop drôle. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Fuck! Oula, je vais me faire mute par YouTube en disant ça, moi. Quoique, est-ce que si ton YouTube est français, il détecte ça? Bonne question. Bon, bah, fail les gens. Ça arrive, hein, ça arrive, on teste des trucs. En fait, je sais pas, ils sont tous low. Je sais pas, Twitch ou Soraka, tu prends 3 tours de tourelle. Je balance mon Q, E, W, je me casse, c'est fini. Mais là, bah, je pouvais pas trop. Parce que sinon, ils allaient se retourner contre moi. Et j'étais dans une mauvaise position. Mais bon, j'avoue, j'ai un petit peu forcé. Bon, moi j'ai encore mon Ignite, c'est plutôt cool. Par contre, j'ai plus mon ultime, ça c'est un peu chiant. On fait les fous, il y a sûrement Vegar ici. Quoi, il fait quoi? Où est Vegar? Ah, y'a plus de... J'ai tout volé. Ah oui, oh oui, oh oui, 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 oui. Oui, oui, oh non. C'était chaud. Je comprends pas pourquoi ils m'ont pas one shot. Bon bah il a flash. C'était close. En vrai, c'était close. Alors, qui est Fed? Personne en face. Ah, il y a 2-14. Non, j'ai donné les 2 kills. Ah, oh, je suis une grosse merde. Aïe, 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 aïe. Eh bien, en fait, cette game, je la mets pas. Il y a aucun challenge. Mais je veux dire, il y a aucun challenge. Mon équipe est en train de gagner. Bon. Après, on l'a plutôt bien mis, mon équipe. On va pas se mentir. On a donné, je pense, 2 kills à Jarvan assez tôt dans la partie, complètement gratuitement. Lui, il a plus de flash. Je l'ai deny sa jungle. Tu sais quoi, je vais même pas l'aider parce que je vais être trop en retard. Voilà, il a pas besoin de moi. Et bah, ça se passe bien, cette petite game. Ça fait du bien de rejouer Talia. En vrai, ça fait du bien. Ça faisait longtemps. Le jeu, là, je me suis tapé un troll. Il m'a dit arrête de jouer Fiddle. C'est trop simple. Y'a pas de mérite. Ok. En vrai, Fiddle, c'est trop fort. C'est trop bien. Allez. Mais hop là. Je sais pas où est. Ah, il est là. Ce que j'ai pris. Après, je peux le one shot. Oula. Mais merde, mon truc veut pas se lancer. Ce que j'ai pris. Alors par contre, mon W, là je commence à avoir du mal. Hein. Ça se voit que ça fait longtemps que j'avais pas joué Talia. Ouf, que j'ai du mal à le lancer. Je suis à genre 1-2 cm trop loin et du coup il se lance pas en fait. Ouh, va falloir que je m'y habitue. Du coup, là je prends mon Benji, hein. Fuck Vegar et son stun. Ça va être utile. Potion, non, peut-être pas deux. Ça suffira une seule. Hop. On a notre ultime. Ah oui, je vous ai pas dit. Avec Talia, si vous êtes un ancien abonné et que vous vous souvenez des gameplay Talia, quand je faisais mon ult à la botlane, à chaque fois je passais ma souris comme ça pour voir la distance de mon ult, etc. Et en fait, j'ai une. En raccourci, j'ai mis. Majuscule Alt R. Et ça me permet d'avoir un normal cast. Je trouve ça trop utile. Du coup, bah, je vous conseille.
Et même c'est super stylé pour... Oh merde. Non mais je suis en train de parler là. Oh non. Oh non, je monte pas dessus hein. Ah mais elle a son jump. Ah quoi? Mais merde, j'ai complètement foiré. Attends, elle m'a la tuer. Ah d'accord, mais tout le monde avait son flash. J'ai cru qu'elle avait flash en fait, merde. Alors là je viens de mettre mon mur, en fait j'ai cru que je l'avais mis juste ici pour bloquer. Alors, je suis vraiment une merde. Oh là 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 là. Attends, 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 attends. C'est quoi ça? Attends, 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 attends. Ah ça refoune, ok d'accord, je suis con. J'ai cru qu'en fait, quand tu balançais ton Q... Y'a des minions devant. C'est bon. Ah. J'ai cru qu'il y avait un plus gros nerf en fait. Oh, c'était cool ça. Bah viens avec nous toi. Amuse-toi. Amuse-toi. Son pilier l'a plus gêné qu'autre chose, mais bon. Ok, ok. Non, désolé, ça a bugué dans ma tête, les gens. J'ai cru que mon Q, en fait, quand je le faisais dans une zone comme ça, il coûtait pas 50% de mana en moins. Mais en fait, c'est quand tu le balances que ça te redonne les 50% de mana, en fait. On voit que j'ai été un OTP Talia. Oh, mais mon W était dégueulasse, là, encore une fois. Je sais plus jouer. Il va me falloir du temps pour la rejouer, là. Ou que c'est pas beau à regarder. Bon, je suis quand même content, j'ai réussi mon wall W là. Bon, attends, je vais en choper un là, je pense. J'ai Ignite. Allez. Allez, Vegar. Viens, Vegar. Oui. T'es pas loin, t'es pas loin. Voilà. C'est bien, Vegar. En vrai, j'ai pas eu tant besoin du... Je sais pas comment ça... C'est Storm Rider? C'est quoi le truc qui te fait avancer plus vite? Je sais plus. Bref, la Keystone qui te fait avancer plus vite quand tu fais 30%. En vrai, j'ai pas vu vraiment l'utilité. Alors que le Thunderlord, il a mangé super cher. J'aimerais tellement voir en détail genre combien fait mon Thunderlord en fin de partie pour voir si c'est vraiment rentable, des trucs comme ça. Dommage qu'il n'y ait pas trop des trucs comme ça. Après, ce serait un peu compliqué à tout détailler, j'avoue. Close. Close. Ouch. Et oui. Bon. Surprise! Non, personne, ok. Voilà, j'aimerais bien qu'ils défendent pour que je place mon mur en fait. Ils s'en battent les coups. Ouais, c'était obvious. Maintenant il connaît en fait. Il connaissait pas le match-up, maintenant il est pas con. C'est bien, Vegar, je suis fier de toi. Tu connais maintenant le match-up. Tu feras attention les prochaines fois. Bon bah ils défendent pas. Du coup pas vraiment de besoin de placer le mur. Bon tu sais quoi, vous défendez pas. Allez, restez dans votre base. Ah le bâtard. Ma flash. Oh la game, c'est quoi cette game? Je pense que c'est le karma. Genre je me suis tapé un troll juste avant, on m'a donné une game gratuite. Ça fait plaisir, en vrai ça fait plaisir. Allez hop, on se casse, GG. Bon c'était la petite Talia, j'espère que vous avez aimé. J'en referai, en vrai j'en referai parce que là le niveau que je vous ai proposé c'était pas ouf. Et j'avoue c'était cool. Par contre j'aurais bien kiffé... Vas-y on va mettre Jarvan, il va avoir le truc, c'est lui qui a carré hein. Et j'aurais bien... Ah putain j'en étais sûr. J'avais du plus 30, mais j'ai perdu une game, je fais du plus 28. Maintenant on est à 98 LP, wouhou! Je déteste ma vie. Non, en vrai c'est pas grave, c'est pas grave.
Bon petit score. Niveau dégâts, je pense pas qu'on soit premier du coup. Je pense que le Twitch a tout. Ah non, ok, d'accord. Et ben voilà, les gens. Merci beaucoup. Et passez une bonne journée. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Peut-être Wukong ou Talia. Je crois que je vais rejouer Talia en fait, c'est trop fort. Et à la prochaine. Ciao les gars.